Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. La conduite actuelle de la transition guinéenne inquiète le parti l'Union des Forces démocratiques de Guinée. Cette formation politique considérée comme l'une des plus importantes du pays estime que l'heure est grave. Elle appelle le président de la transition, le colonel Doumbouya, à revenir sur ses engagements initiaux tenus le 5 septembre 2021 et sur les fondamentaux de la transition, c'est-à-dire le retour à l'ordre constitutionnel. Dans un entretien accordé à Réveil d'Afrique, le conseiller en communication de Selom Dalein Diallo, le président de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, a fait une alerte d'entretien. Alors, comment l'UFDG analyse-t-il le récent discours du président de la transition, le colonel Mamadou Doumbouya, à l'occasion de l'an 65 de l'indépendance de la Guinée? Souleymane Zouza Konaté, le discours du colonel Doumbouya était un véritable fiasco, tout sur la forme que sur le fond. Il est revenu longuement sur les motivations du coup d'État alors qu'on a dépassé largement cette étape. Ils sont arrivés à un accord dynamique avec la CDAO autour des 10 points et qui devrait s'achever en fin d'année 2024. Aujourd'hui, les Guinéens attendent du colonel qui leur explique ce qu'il est en train de faire par rapport aux actions planifiées pour que le processus du retour à l'ordre constitutionnel soit effectif. Le 31 décembre 2024, nous disons encore une fois de plus que lui appartiendra de revenir aux fondamentaux de la transition, à savoir un dialogue inclusif avec les principaux acteurs de notre pays, mais surtout l'organisation d'élections libres, inclusives et transparentes pour permettre aux Guinéens de choisir librement l'homme ou la femme qui doit en fait diriger le pays. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez avec vos amis, famille, reconnaissance si vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très bien.